J'ai mon cockpit là, je vois droit devant. T'assures un peu à gauche, un peu à gauche. La tour, là, droit, c'est bien, bouge plus. Pilote auto, il est où le con? Merde, putain. J'ai plus. Ah si, c'est là, auto. Alors on est bien. J'ai toujours peur de me payer un satellite chinois, tu sais. Il y en a deux qui orbitent autour de la Lune en ce moment, à la même altitude que moi. C'est-à-dire, ils vont dans le même sens. Donc si je devrais les voir, prévenez-moi si vous les voyez. Hein. On sait jamais. Putain! Arrêtez pour espionnage! À charge! Charles Libert! Un Américain. Arrêtez. Travaillant à Harvard Office. Voilà. Alors Charles Libert, Dubiste Libert, tu vois. Arrêtez. Contrat avec les communistes. Wouh! Université de Wuhan. $50,000 par mois. $50,000 par mois, le mec. $158,000 de frais de vie. A reçu $1,500,000 en frais de recherche pour le Wuhan Laboratoire en Chine. A reçu des récompenses par le ministère de la Défense chinoise communiste. Ouh! Après, il y a deux Chinois qui se sont fait arrêter. Des petits cons, des espions, quoi. Yang Qingyi, travaillant à l'université de Boston. Qu'est-ce que c'est? Ah oui, un lieutenant de l'armée de libération, quand même. Ah, le mec, ils sont bons. Hein. Ils viennent aux US en étant lieutenant de l'armée de libération. Mais tu rêves. Bah, évidemment, alors là, l'autre, là, il a pas aimé, de toute façon. Ils sont énervés, oui. Et un autre communiste bridé, qu'est-ce qu'il a, lui? Ah oui. Il a détourné des données biologiques des USA vers le CCP. Voilà, sinon, à part ça, honnêtement, je voulais vous parler d'économie. La dette est acceptée, faudra la payer. Ceux qui ont des économies se les feront taper, je m'en branle, j'en ai pas. Là, comme ça, c'est réglé. Et maintenant, je m'en branle de tout. Ah oui, on va être tracé numériquement, certainement. Et je m'en branle aussi. Maintenant, je vis en orbite. J'étais en orbite du Soleil, mais là, je suis en orbite du Soleil et je suis en orbite lunaire. Je suis sur deux orbites. Voilà. Là, on fait plusieurs fois le tour par jour de la Lune. Là, ce matin, j'ai posé une pêche et j'ai largué. Ça fait un cratère. Normal. Voilà, qu'est-ce qu'on est bien là, hein? Enfin, on va pouvoir se reposer. Oh, c'est génial. Oh, regarde, on arrive. C'est là qu'il y a le bordel. Ah, le bordel qu'ils nous mettent. Rien à foutre. Moi, je fais le tour comme ça. Oh non, non, rien à foutre. Plus rien à foutre. Plus rien à foutre. Rien du tout. Merci, merci, merci. Oui, Houston. Hey, Houston. Faut que je revienne. Non. Je dois poser une pêche, là. J'ai pas fini, non, faut que je largue, Houston, c'est comme ça, c'est tout. Eh ben, ça s'est déjà passé, oui, il y a déjà Apollo 9, ils se sont rebellés, ils sont redescendus sans leur scaphandre, et ils vous ont envoyé chier, ben voilà, mais c'est donc pas la peine. Ça s'appelle de la rébellion, de la mutinerie. Non, je reste en orbite, je reviendrai après le confinement. Oui, après le confinement. Hein? Quoi? Ah non. Non, pas question que je vote non plus. Quoi? Non, mais plus rien. Je regarderai plus BFM, je regarderai plus la télé. Je regarderai plus rien. Je vais ouvrir des livres.
Je vais être peinard, je vais être tranquille. Quoi ? Je suis viré ? Ben, venez me chercher, moi. Venez me chercher, hein. C'est moi qui ai les boutons. C'est moi qui ai les boutons. Ah putain, merde ! Tu vois, touche pas au bouton, tu fous le bordel. J'ai failli perdre l'orbite. Non, pas vous que je parle. Je parle à mes youtubeurs adorés. Mes youtubeurs chéris ! Hein ? Oui. Ah, je sais qu'il y a Marceau, je sais qu'il y a Laurent. Ils sont tous là. Mais oui, bien sûr que je les aime. Je pense qu'à eux. De toute façon, il n'y a qu'eux qui me manquent. Hein. Macron ? Quel bel homme. Oui, franchement, j'aime ça. Sa cravate est magnifique. Et son programme est excellent. Ah oui. Ah, j'ai plus de blâme. Il faut que je revienne. Non, mais laissez-moi 5 minutes quand même. Je suis bien là. Je suis bien, mais oui. Hein ? Ah ? Oui, d'accord. Bien sûr, on fera. Bien sûr, je serrerai la main du président et je lui ferai la bise. Mais après la pandémie, hein. D'accord ? Bien. Là, je suis bien, il n'y a pas de pandémie. On n'a pas de pandémie en orbite et je suis tout seul. Ça s'appelle ça, du confinement. Hein ? Non, c'est pas à vous que je parle, c'est à mes youtubeurs, mes potes adorés. Allons, enfin ! Hey ! Hey, mes potes adorés. Qu'est-ce qu'on est bien en orbite. J'ai envie de rester comme ça 2 heures. La vidéo va être plus longue, j'en ai rien à foutre. Et vous coupez, de toute façon, je vais dire n'importe quoi. Mais pas à vous que je parle. Hey, over, Houston, on n'a aucun problème. Over and out. Rien à foutre de ce qui se passe sur Terre. Ça, c'est il y a 2 jours, j'ai chié. Putain, c'est arrivé vite, la fin de ces cratères. Allez, mec, qu'est-ce que je vous aime. Je vous fais des très gros bisous. Et je vous souhaite... je peux vous recommander quand même d'aller voir un truc très sympathique. Bien que le mec fasse des yo-yo sans arrêt. C'est Jean-Jacques Crèvecoeur sur YouTube. Après, il a une chaîne privée, tout ça. Mais ce qu'il dit n'est pas con. D'ailleurs, ça correspond un peu à ce que je vous dis. D'ailleurs, ça m'a bien inspiré. D'ailleurs, j'ai lâché l'affaire. Dans l'espace, on ne peut pas enlever son casque. Hein, c'est comme ça. Même si on est pressurisé. Je suis le protocole. Le protocole. Putain, vous savez ce que c'est un protocole, hein? Et si vous restez pas confiné pour Macron, restez au moins confiné pour que la planète respire. Elle respire, la planète, là. Elle a jamais été aussi bien, la planète, depuis 50 ans. Regardez comme elle est bien. On va rester confinés pour la planète et on emmerde le reste. Et qu'ils aillent tous se faire enculer. C'est bien ça, hein ? C'était Mike TV. Toujours sur la brèche. Bonjour.